lève-toi. Est-ce que vous êtes prêts à passer la soirée de votre vie, quoi? Ouais. Et ben ça va pas être ce soir. C'est un court-métrage que j'ai co-écrit avec Anna Partouche. On dit souvent que c'est jamais mieux raconter les histoires qu'on vit, les histoires qu'on vit, ou notre vie, quoi, de tous les jours. Il y a le contraste entre le des étudiants très sérieux et celui des étudiants en théâtre qui ont beaucoup cool, qui ont beaucoup détendu. 8 sur 5 première. J'ai fait 8 sur 5. Waouh. Ça tourne. Super. Allez, action. Première. Non mais il y a une caméra là, ça me stresse. C'est ça qui me donne, hein. Là, tout ça. C'est Léa qui filme tout et n'importe quoi. Allez, là. Tu vois pas mon zèque? Non, je vois rien. J'ai pas besoin de pleurer, j'y arrive très bien. Donc à mon avis, la prochaine semaine où je devrais pleurer, j'y arrive pas. Ok, go. Plus simple, 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 simple. Attends, moi j'ai vraiment chaud. Vas-y. Content que Mickaël m'ait laissé la chance de m'exprimer sur ce court-métrage. Parce qu'en fait, je l'aurais pas dit, mais c'est la première fois que je jouais ma vie. Mais alors toi, tu tournes le making-of du film qui est dans le film dont je tourne le making-of. Ouais, c'est ça, ouais. Mais t'as un copain? Non. Ah putain, d'accord. Tu fais quoi demain soir? Ah, mais ça, je te plains, putain, non. Sur chaque scène, sauf quand je le délègue à Manon. 8 sur 3 première. Nicky m'a dit quand il m'a engagée, il m'a dit que je devais être la fille que les gens détestaient pendant la journée et que le soir ils devaient m'adorer parce que j'étais transformée. Genre une double personnalité, tu vois. Je crois que les gens vont me tuer. En gros, on passe notre temps à tuer les gens. Ouais. Oh non, tu pas. Ce film avec cette superbe équipe. Moi je suis électro et Politeur professionnel. Ça se voit sur mon bras. Ah ouais, t'as pris la marque du Politeur. Elle est belle. Écoute, c'était une très très bonne expérience. Ah ouais. J'espère faire un petit court-métrage avec Mickaël. Le prochain, j'espère que ça va avec lui. Qui a eu? Moi, je dis un gros merci à Louis pour ce premier repas. Ouais. En espérant que ça ait dû continuer sur la même lancée. Quel est ton secret? Du temps, de l'amour, les recettes de maman.
c'était très 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 bien. Voilà.